Alors, bonjour à vous. Bienvenue pour ce tirage du jour. Nous allons regarder vos énergies, les énergies de votre autre et les énergies de votre lien avec des Lenormand. Nous prendrons des cartes oracles pour avoir des messages pour vous, des messages de votre autre si vous en avez un. Nous allons également compléter les messages avec du tarot. J'ai décidé également de mettre un petit peu de magie dans votre vie, donc il y aura une étoile filante qui passera durant la vidéo. Je vous invite à réfléchir pour faire un souhait, faire un vœu. Je vous souhaite qu'il se réalise, c'est bien certain. Je vous demande bien sûr de toujours garder votre bon jugement. Surtout, j'espère que vous prendrez plaisir à ce tirage. Donc, je place les cartes si vous le désirez, vous restez avec moi. Sinon, vous pouvez passer directement à l'interprétation et c'est parti! Alors, nous allons débuter l'interprétation avec l'énergie générale du jour, ou l'énergie de la chandelle, une énergie de fête où l'étincelle peut soit attiser quelque chose ou peut produire peut-être beaucoup d'émotions et aussi la surprise. Donc, il faut savoir que c'est une journée assez lumineuse, assez agréable, où tout est possible finalement. C'est un peu une journée où on a le cœur plus léger. Donc, deux Lenormand, un pour vous, madame, vous êtes ici, un pour vous, monsieur, vous êtes là, vous inversez si vous avez une énergie plus féminine ou masculine. Je veux juste vous dire, avant qu'on débute, certaines personnes, des fois, me disent « Oui, mais je suis célibataire, est-ce que ces vidéos-là peuvent me convenir quand même? » Bien, absolument, identifiez-vous soit à l'homme ou à la femme, prenez votre journée, vous allez voir qu'est-ce qu'il y en est. Et l'autre personne en face, peut-être la connaissez-vous, peut-être non, vous pouvez choisir une personne de votre entourage pour avoir des messages également. Sinon, tout ce qu'il y a autour, c'est des choses qui peuvent vous convenir. Alors voilà, le message est dit. Donc pour vous, madame, il y a eu une communication moins facile. J'ai l'impression peut-être même qu'il y a eu un peu d'étincelle parce qu'on a le fouet avec le nuage, donc c'est moins facile. C'est derrière vous, mais on a le cavalier qui est le messager. Donc est-ce qu'il y a eu quelque chose, des mots, une communication avec un éloignement? Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que vous travaillez beaucoup sur vous
pour soit améliorer cette communication-là ou pour passer outre et voir comment vous allez faire. Donc, vous êtes tourné vers le futur, vous êtes tourné vers l'ours, donc vous êtes tourné sur vos capacités, votre résilience même, parce que l'ours, parfois, c'est la résilience de s'adapter aux situations. Et aussi, des fois, c'est l'hibernation, l'ours. Est-ce que vous avez tenté de mettre un terme à quelque chose pour un moment et de vous dire, on va réactiver plus tard, on va recommencer à se parler plus tard, comme pour laisser décanter les choses. Donc, c'est possible pour vous, madame. Pour monsieur, j'ai l'impression que si cette communication-là, c'est ça qui a été difficile, il a peur, il craint, parce que c'est ça, hein, la lune un peu, on a des craintes, des doutes, on ne sait pas exactement si votre cœur est encore disponible. Je pense qu'il craint de ça. Il a peut-être peur qu'une situation ou une façon de faire fasse que vous allez avoir un éloignement. Et le cœur est en plein centre de sa journée. Donc, c'est important pour lui. Et je vous dis qu'il doute, il a des intuitions peut-être, et c'est le soir venu peut-être qu'il y pense beaucoup. Il repense peut-être à ce qui s'est passé, mais il pense, il a des hypothèses par rapport à votre cœur et il craint que vous n'ayez un éloignement. C'est ce qu'il ressent pour le moment. Par contre, dans votre lien, votre Lenormand, regardez, vous êtes ici et entre les deux, la communication romantique. Moi, je pense que c'est possible encore de renouer avec cette communication-là parce que le cavalier se retrouve ici, mais c'est beaucoup plus agréable dans votre lien. Peut-être que votre communication s'est rétablie, mais vous pensez encore à ce qui a été dit, comment ça a été fait. Il y a une vieille cicatrice peut-être et vous êtes encore dans l'ours à travailler là-dessus, même si c'est plus doux, c'est plus agréable. Et monsieur a eu à faire peut-être un choix au niveau des finances, au niveau du travail, parce que le poisson, c'est un peu ça, hein, c'est le quotidien. Oui, c'est l'argent, c'est le travail, mais c'est aussi le quotidien, comment on le vit. Et je pense qu'il y a eu besoin de couper quelque chose avec la faux et de récolter pour que ce soit différent un peu. Il y a eu besoin d'aménager, de changer un petit peu des choses dans sa vie pour que cette communication-là se rétablisse. Ou c'est peut-être pas tout à fait encore. Il a peur que vous n'ayez pas l'ouverture, mais c'est ce qu'il souhaite. En tout cas, c'est ce que je peux voir, le lien est très beau. Pour préciser, trois cartes de tarot pour vous, trois cartes de tarot pour votre autre. Pour vous, nous avons le magicien, la six de denier et le monde. Rien de moins, vous avez deux arcanes majeures, donc le magicien et le monde. C'est drôle, le magicien, c'est le début, le monde, c'est la fin. L'impression qu'on peut débuter pour un accomplissement. On le sait que c'est possible. Et on sait que c'est possible d'avoir quelque chose d'équilibré. C'est pas que vous qui allez mettre de l'énergie pour débuter, pour mettre les choses en place. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de beaucoup plus équilibré. Vous avez le goût de redonner. Peut-être aussi s'il y a eu une situation moins facile. Après, on prend notre ours, on avance et là, on voit comment la communication peut se rétablir et on sait où mettre les pieds, comment agir beaucoup plus pour avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on veut. Le magicien, vous savez, il s'élance un peu avec les outils qu'il a et il n'a pas toutes les informations parce qu'il n'a pas encore traversé tout le tarot. Là, il est vraiment au début, au balbutiement. Mais déjà, comme je vous dis, vous avez quelque chose de plus équilibré avec la balance, de plus juste. C'est ce que je peux voir. Pour votre autre, nous avons la 6 de bâton ou l'empereur et la 9 de pentacle. Pour votre autre, il a comme arcane majeur finalement l'empereur. L'empereur, c'est vraiment celui qui va prendre les rênes, qui va guider les choses. C'est peut-être lui qui va réinitier la communication, qui va vouloir vous reparler. Il se voit comme un vainqueur. Il le sait qu'il peut réussir. Il est capable même de se projeter. Je pense que c'est comme ça qu'il voit. Donc, si votre communication n'est pas rétablie, le soir venu, quand il réfléchit à votre amour, il se projette en empereur, capable d'arriver avec son cheval et d'être glorifié, c'est ce que je peux voir. Puis, on voit aussi la 9 de pentacle qui est une arcane où il a appris à être bien avec lui-même. Donc, il s'est peut-être détaché un peu. Tout à l'heure, on voyait à la fois, il s'est peut-être détaché un peu de certaines choses pour être bien avec lui-même. Et quand on est bien avec soi-même, c'est beaucoup plus facile après de revenir en force. Donc, il y a peut-être eu une petite période où il a fait de l'introspection et il voit comment il veut replacer tout ça.
Petit message, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Mais ça ici, c'est notre cœur, là, d'exprimer la gratitude. Peut-être que c'est le genre de message que vous allez obtenir, dire « je suis contente de t'avoir connu, que tu aies croisé notre chemin ». Peut-être qu'il y aura une petite étincelle, vous allez peut-être être surprise de ce message qui viendra pour vous. Autre petit message, peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Ça, c'est notre croissant. Hein? On a peur que quelque chose arrête. On ne sait pas exactement. Peut-être qu'on se questionne beaucoup sur ce que l'autre pense, mais on est beaucoup dans l'hypothétique. On n'est pas encore dans les faits concrets. Je deviens une meilleure personne. Bien, ça, c'est vraiment notre neuf de pentacle. C'est d'apprendre à être bien avec soi-même pour devenir une meilleure personne et d'être capable d'être beaucoup plus agréable dans nos relations humaines, dans notre communication, dans notre façon de fonctionner avec notre famille. Donc, on devient une meilleure personne. Petit conseil du jour. Mariage, accord et officialisation. Écoutez, c'est pas tout le monde qui aura des demandes en mariage, mais peut-être qu'il y aura quelque chose qui s'officialisera, peut-être même une communication qui s'officialise, une façon de faire, et ce sera la fête, l'étincelle et la surprise pour vous. Alors voilà ce qui complète votre tirage. Donc, si vous avez aimé et que vous voulez me soutenir, je vous invite à mettre un petit pouce. Vous pouvez me mettre un commentaire, me dire si vous avez aimé aussi la petite magie de l'étoile. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous remercie de votre précieux temps et j'espère vous revoir bientôt pour un prochain tirage.